Bonjour. Bonjour. Et moi, je voulais juste savoir, parce que je voulais demander une question pour savoir est-ce que vraiment un chrétien doit être lié. Comme la Bible nous dit, il y a un verset, si je me rappelle bien, dans le livre des Corinthiens, la Bible dit que les chrétiens ne pourraient jamais être liés, c'est lui qui croit en Jésus. Et Romains 8, ça dit, il n'y a pas de condamnation à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et Nazareth. Est-ce qu'un chrétien peut être lié ou il peut être tenté? Parce que si je vois bien, quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, il a dit, Lazare, lève-toi, et puis il a dit encore, délie-le. Est-ce qu'un chrétien a besoin d'avoir aussi la délivrance ou il est déjà délivré tant qu'il a fait le baptême? Non, il y a vraiment un problème d'interprétation. Quand le Seigneur a dit déliez-le et laissez-le aller, à l'époque, les morts étaient bandés. C'est tout. Il y avait des bandes tout autour. Ce n'était pas des liens spirituels. On en fait une interprétation allégorique ici. Ce n'est pas ça. Pas du tout. On doit faire une interprétation littérale ici. Parce que Lazare a été ressuscité littéralement et non spirituellement. D'accord? Ça, c'est des sectes, des gens qui ne comprennent pas la parole et qui vont l'interpréter à tous azimuts, dans tous les sens, pour manipuler les gens, pour contrôler les gens. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est un enfant de Dieu qui, au départ, était lié par le diable, lié par le péché, attaché au péché. Il ne pouvait pas se passer du péché. Et Dieu vient avec la parole, l'épée de l'esprit, la parole. Il coupe ce lien. Ces liens familiaux, ancestraux, tout ça, tout est coupé à la conversion. Tout est coupé à la conversion. D'accord? Et c'est pour cela qu'on dit que la personne est devenue chrétienne. D'accord? C'est disciple de Christ. La personne peut suivre Christ, peut se soumettre à sa parole, parce qu'elle est libérée par la parole de Dieu. Ça s'appelle la conversion. Donc, ce chrétien-là ne peut plus être possédé par le diable. Non! Elle est, cette personne va être combattue. Bien sûr, peut avoir des pensées un peu que l'ennemi lui envoie, mais il va les chasser. À chaque fois, ses frères, ils vont les chasser, ses frères et sœurs, mais ils ne sont plus liés. Ceux qui vous disent que les chrétiens peuvent être liés, à moins qu'ils ne tombent dans un péché, qu'ils ne se repentent pas. Alors, c'est clair que les démons reviennent. Mais sinon, ceux qui enseignent cela, ils deviennent des thérapeutes. Ils veulent que vous soyez, leurs patients. Comme ça, vous allez voir l'homme de Dieu tous les 4 matins, merci, pour avoir, un suivi, pour être tendu, parce que si le pasteur te suit, eh ben tu vas te débourser, hein. Voilà, tout ça là, c'est, on est libre, on est libéré par le Seigneur. Maintenant, on va suivre le Seigneur véritablement. Amen. On peut être enseigné par ces personnes, il n'y a pas de problème si elles craignent Dieu, mais de là à dire qu'un chrétien peut être lié, attendez, il y a un problème, non?